Salut à tous, c'est Ingo, on est reparti sur Industries of Titan. J'ai un petit peu fait avancer les choses, à peine 5 minutes en jouant en mode à fond. Bon, j'ai toujours pas pu réparer la tour, ça coûte trop cher, mais on a pas mal de crédits. J'ai réussi, alors j'ai débloqué, on avait pété les bâtiments, ici le command center, et j'ai rajouté un pylône énergétique pour le faire fonctionner. Ça a dévoilé cette zone. Donc on a bien un isotope, un node, enfin une mine en fait, et il va falloir une mine, c'était bien ça, pour récupérer les ressources là-dedans. Donc, en fait, ce que je me demande, c'est que si je pose la mine là, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionnerait. Et ben, on va la poser là, on va voir. On va voir ce que ça dit. Ça a l'air de pas gêner ici le chemin. J'ai demandé de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans toutes ces zones là, on va voir. Je pourrais l'upgrade, lui d'ailleurs, je vais le faire. J'ai augmenté le Council Monument aussi, niveau 3. C'est à peine plus 2, alors entre le niveau 1 et 3, on gagne 1. Un peu bizarre. J'ai construit une autre tourelle également. Il faut que je mette un gars dedans, d'ailleurs. Il faut l'upgrade, hein, ça, c'est hyper important. J'ai recruté un peu de monde aussi. Et il va falloir bientôt que je puisse augmenter mes capacités d'employés, hein. Ça va mériter un upgrade aussi, niveau 3 pour l'usine. Donc on a bel et bien des mines, hein. J'espère qu'ils vont avoir accès. Ouais, j'ai l'impression que ça passe là. Ils passent sur les côtés, les mecs. Ça se trouve, ils peuvent passer là, hein. Bon, en même temps là, alors, on a récupéré dans les bâtiments, il y avait plein d'isotopes et de minerais, donc ça devrait le faire. Et on a gagné pas mal de thunes, est-ce que ça vaudrait pas le coup de débloquer ça? Allez, on va le faire. On va le faire. Il faudrait peut-être que je laisse un passage là, mais je crois que nos gars peuvent passer quand même. Allez, on va casser un peu la symétrie. Je vais le mettre là, on va voir ce que ça dit. Alors, on n'a plus assez d'énergie, j'imagine. On est comment, là? Bah non, on a 88 sur 90, alors quel est le problème? Ils sont bien reliés, ça marchait très bien jusque-là. Ça marchait très bien jusque là, donc qu'est-ce qui les gêne là? Ok, je vais prendre deux isotopes. Ok, je comprends pas trop là ce qu'il est en train de me faire. Bon, en tout cas, on sait que cela, ici ça va fonctionner, hein. C'est en vert, donc... Ça veut dire que c'est bon. Pourquoi je peux pas l'upgrade lui? Ah, c'est pas vrai. D'accord, je viens de comprendre. En fait... Ah, mais c'est une blague, attendez, mais c'est pas possible ça. Ils me disent qu'il est en dehors du territoire alors que celui-là j'ai pu le construire avant. Et j'avais dû mettre ça. Oula, il s'est passé quoi là? J'aurais pas pu construire de base, hein, ça ici. Donc j'ai l'impression qu'on a perdu la place là. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oula, il y a un truc bizarre qui s'est passé là. C'est embêtant ça. Ça c'est un bug, je pense. Pas grave, on va le dismantle, hein, ça sera que le deuxième. Mais ouais, chaud là quand même, hein, ce qui vient de se passer, parce que j'avais clairement la place ici avant et j'ai l'impression d'avoir perdu. Faudrait que je regarde, mais c'est très très bizarre ce qui vient de se passer. Je suis très étonné là. C'est pas grave, bon, on a l'office ici qui a été construit.
Non, 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 ouais. Ah oui, on a gagné plus 7, hein, quand même. Je préfère upgrade les tourelles avant. Ça me fait mal de dépenser autant. Je pourrais la réparer, hein. Il va falloir d'ailleurs. Mais j'ai tellement envie de voir d'autres bâtiments. En même temps, on va gagner plus de thunes. Allez, je vais la réparer parce que c'est trop important. Et je vais même en rajouter une quatrième, hein, qu'on se fasse pas exploser nos toiles comme ça. Sinon, ça. Oh non, mais j'ai mis un Conceal Monument. Mon dieu, un go. Attendez, là c'est nouveau bon? Je comprends rien à ce qui se passe là. C'est pas grave. Alors, Command Center, je vais y arriver, hein. Je peux le mettre jusque là. Je vais le mettre là, moi. Putain, j'ai reconstruit un Conceal Monument, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. On va gagner plus d'influence. Par contre, on pompe sur les batteries. Donc, on va upgrade cette usine. Et on va rajouter ce qu'il faut pour l'énergie. Ouais, c'est étrange, hein, là, quand même. J'aurais pas pu construire, hein, de toute façon, hors de la zone, à moins que... Si, apparemment, si. Ça marche, l'aire d'influence marchait très bien. Alors, est-ce que c'est parce que quand je l'ai... Non, quand je l'ai upgrade, il y a peut-être eu un bug, hein, à ce moment-là. C'est fort probable. Il y avait des petits lags, là, d'ailleurs, tiens. Bon, c'est pas grave. Ça a l'air de fonctionner, là, du coup. Ça a l'air de fonctionner. Alors, on va passer au niveau 2. On va passer au niveau 2. Et puis, on va setup ce qu'il faut pour l'énergie. Oula, mais d'ailleurs, ouais, ça a élargi la zone, vous avez vu. Génial, ça. Ça, j'adore, par contre. Hop là, déjà, ça, c'est fait. Ça c'est fait. Par contre, c'est toujours pair en largeur. Ce qui fait qu'on peut pas centrer les relais. Ça, j'aime pas trop quoi. On aura tout ici. On va le mettre là. Je pense pas que j'aurai bien plus de fuel. Est-ce qu'il faut ceci? Ça, j'ai un doute. Je vais en mettre un quand même. Ouais, il en faut un pour chaque étage. Alors. On produit 114 pour 110 d'utilisation. Wow. J'aimerais bien voir au niveau du fuel. Ouais, il faut qu'on en rajoute. Il faut qu'on en rajoute. On va faire ça comme ça. Et ça sera très bien. Alors par contre là, ouais, il faut que je relie comme ça. Et comme ça, pas le choix.
Là, je pense qu'on sera bien. Pas besoin de rajouter d'autres batteries, je pourrais en mettre là hein, pour exploiter l'espace, mais pas besoin pour le moment. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ma tourelle n'est pas. Oh, waouh, le nombre de thunes qu'on a gagné! Oula, attendez, on va ralentir un peu. Quel bâtiment est endommagé là? Notre. Ouais, on va la réparer du coup. Oh, on est riche! Bah, c'est top, on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Ceci, pour le stockage. Plutôt le mettre là, vu que ça... sinon elle sera pas trop protégée là, je pense. Et d'ailleurs. Ah, y a plein d'isotopes là. En plus, on va commencer à en miner, alors. Warning storage full. Local storage. Alors attendez. Local storage. Il y a une zone d'influence pour le stockage ou quoi? Va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Je peux mettre 3 gars là, allons-y. C'est quand même 3 gars d'utiliser pour les déchets. Je sais pas si ça gêne si on colle vraiment les bâtiments ici. J'ai l'impression que les gars peuvent passer, je sais pas trop. Je me pose la question en fait. Mais là, l'argent qu'on a gagné, c'est assez hallucinant. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, j'aimerais bien l'upgrade, mais j'ai plus d'isotope alors. L'upgrade, je vais rajouter des stockages même si on a celui-là maintenant. Training batterie. Waouh, déjà. Et il va être temps, je pense, qu'on débloque ces bâtiments. Alors attendez, je vais ralentir parce qu'on pourrait tous les débloquer d'un coup là. Ça, ça que plus 16 en énergie. Ouais, donc ça convertit le fuel en énergie. Ouais, bah parfait, parfait, plus 16. Excellent ça. Ça, on peut stocker jusqu'à 5000. Ok, ça c'est les turbines. Bon, c'est cool parce qu'on a bientôt tout vu. On va le mettre là. Je pense qu'il va faire du bien lui. J'espère. On va mettre un stockage à côté de la mine. J'ai envie qu'elle fonctionne. J'ai envie de voir en fait. Il nous reste toujours plein d'isotopes là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait là? Ah bah attendez, hop. Clac, très bien. J'ai pas tant d'influence que ça. Coûte cher quand même, upgrade ça. Ah, on est pile poil hein. Ouais, c'est pas mal quand même. Par contre, c'est. Ce que je trouve étrange, c'est qu'on voyait la mine et là on la voit plus. Ça, c'est parce qu'il était vraiment là, mon command center. Ça a bugué, ça, hein, je suis quasiment sûr. Même si c'est pas bien grave. Ah, ça commence à être stylé quand même. Hein. Enfin, je pense que ça sera bien de varier les bâtiments un petit peu reliés ou pas. Enfin, connectés.
D'ailleurs, je l'ai pas fait là. Alors attendez, là on est à 10 et 10. On va tester, on va voir. On va voir ça. Bon, j'ai tellement de thunes. Vous savez quoi? Ouais, on va recruter des gars après. Je pense que ça change rien, c'est juste visuel. Hein. Si on repasse à 30, si je dis pas de bêtises, on était à 30, c'est que ça changera rien. Allez, ramenez-nous des isotopes, les gars. Par contre, je pense qu'à terme, ça serait bien de délocaliser l'usine. On va prendre une attaque là. On va se prendre une attaque assez sérieuse apparemment. Va falloir que je refasse une tourelle. Parce que ça fera clairement pas de mal ici. Alors, comment on est là? Storage full, je comprends pas. Storage full. Ah, on peut connecter les usines aussi. Les mines, pardon. Bon, on peut les faire évoluer, ça de problème, mais on peut connecter les mines. Ça, c'est assez hallucinant. Ouais, 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 donc, ok, pas de problème. Oula, ça y est. Ils sont deux. On en a pété un. Il va où lui? Oh là, ça lag un peu. Cool. Enfin cool. Ils nous ont bien éclaté les bâtiments, mais on a de l'argent là, donc ça va. ouais, je comprends pas trop cette histoire là de storage full. Sachant qu'on va mettre quand même construire deux bâtiments de stockage. Ah, ça y est. Ça y est, ça commence. Alors. C'est parce que les mecs, les employés doivent venir décharger, je pense. Hein. Je vais upgrade celui-là tout de suite, on va voir. Ici donc. Je pense qu'on est juste en énergie quand même. Ils sont attaqués à quoi? Au pylône encore là? Je vais débloquer tous les bâtiments. Comme ça c'est fait. Et puis on va les tester. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore les mines, je suis bête. Tac tac, on va les mettre là alors. On va tester ça ici. Avec un silo. Juste pour voir la tronche des bâtiments. On aura fait tout ce qu'il y a de dispo pour l'instant. Alors ouais, faut qu'on attribue un gars quand même. Ah oui, ça demande de l'emploi par contre. Les énergies plantes. Ça demande de l'emploi. Je pense qu'une fois qu'on aura ça, ça va être bon. Wow, super. Et là, le niveau 2. Ah, elles sont super sympas les stockages, j'adore hein, comment c'est géré. Des genres de petits containers, c'est excellent. Bon, les gars sont tellement petits en fait par rapport au bâtiment. Enfin, quoique. On va dire que l'échelle ça va, je trouve. L'échelle est assez respectée au final. Hein, quand je regarde comme ça un peu, j'aime bien. Et petit bug d'interface. Je
Je vais laisser un gars ici pour le moment. Bon, on est plutôt très bien là. On va mettre un mec ici d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive à cette tourelle là? Ah voilà. Donc 4 tourelles niveau 3. Et ils ont construit, ça y est. Alors. Ah bah pour le fuel turbine, il n'y a pas besoin de gars dessus, donc très bien. Pour le silo non plus. On va continuer à upgrade les bâtiments. Je pense que ça sera cool de voir ça. Je peux recruter énormément de gars. Ah, j'ai pas vu à force de parler, mais on a gagné 2 places en connectant le bâtiment. Alors je préfère presque par contre le bâtiment. Je les ai mis du mauvais côté ou quoi? Parce que non, j'avais mis pourtant la petite flèche ici. Et en connectant, j'ai l'impression que la façade du bâtiment, c'est ça. J'ai l'impression que la face avant, elle est là. Alors qu'elle aurait dû plutôt être là pour moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Mais on a quand même gagné 2 places. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, je les avais mis comme ça. Hein, donc là, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour moi... Enfin, j'ai l'impression quand même que ça, c'est vraiment l'arrière du bâtiment avec les genres de... De clim ou je sais quoi, ça c'est clairement l'avant. Donc même en ayant mis la flèche vers là, le bâtiment, ça s'est inversé, j'ai l'impression. Alors que là, il n'y a pas eu de problème. Bon. C'est pas bien méchant, c'est du détail, mais... Alors, voyons voir. Waouh. J'adore les bâtiments, le design des trucs, c'est assez ouf. Hein. C'est complètement ouf. On va augmenter celui-là aussi, niveau 2. Parfait. Donc on est à plus 16, niveau 2. On va passer à 18 ou 19, je pense. Peut-être 20. Ça vaut peut-être le coup d'upgrade ça. Depuis qu'on a fait celui-là, j'ai l'impression que ça, c'est ouf hein, ce qu'on a gagné en argent. Mais quand on voit le prix des réparations... Bon, c'est pas fait éclater, mais il aurait fallu, il fallait faire attention quand même. Si on upgrade ici... Ouais. Alors attendez, vu que j'ai plein de thunes, on peut aller jusqu'où? Ok, je suis au max. Et là, on est au max. Ça coûte pas moins cher ici, je pensais que ça allait coûter un peu moins cher. C'est pas le cas. Par contre, ça augmente la capacité de stockage. Je sais pas trop à quoi elle sert à vrai dire. Là, on peut recruter des gars, on va en prendre. On va upgrade tout ça. Je pense qu'on a tellement de thunes là. Ça mériterait de se rajouter une petite tourelle pour la prochaine attaque. Bon, elle n'est pas marquée encore. Bon, là l'objectif de la partie par contre c'est clairement, je pense, enfin c'est l'objectif. Ils nous ont demandé quand même d'aller voir les camps rebelles, je pense. Détruire 5 camps rebelles. Je sais pas trop comment faire hein, à vrai dire. Je dois bien avouer que leur demande là m'échappe un peu. Ah, il reste plein d'isotopes encore là. Allez, on va convertir, on va avoir 5 nouveaux travailleurs, ça va être cool. Je vais même re-upgrade immédiatement tout ça. Je pourrais les délocaliser l'usine aussi. Bon, comme on le voit quand même sur les ressources, on est plutôt à l'aise pour le moment. Hein. Mais on a besoin de clairement, parce que là ouais c'est les mecs qui doivent venir à la mano rechercher les isotopes minés. Hein. Très clairement. On a besoin d'isotopes.
Ok. Ah ouais, on peut pas trop dépenser. Il suffit qu'il manque 40. Donc ouais, je l'ai fait 4 fois. Non, beaucoup plus que ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne ça non plus. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, je pense, mais... va falloir envoyer sur les isotopes là, messieurs. C'est quand même assez long de se développer, enfin... On va dire... en surface. Mais tout simplement parce que les bâtiments sont évolutifs quoi, donc c'est plutôt pour ça. Par contre, ouais, je suis déçu de celui-là. Putain, il s'est mis du mauvais côté quoi. Après, je pense que tout concentrer comme ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. On verra. On va upgrade tout ça au niveau max. Bon, j'espère qu'ils vont juste terminer ça avant. Ça serait quand même bien. En tout cas, ça reste très beau toujours et c'est assez ouf. Hein. J'aimerais terminer quand même. Ce serait bien qu'ils envoient là sur les isotopes, mes gars. Parce qu'on est un petit peu bloqué pour ça. Tiens, bon, on va claim ça. Il y en a plein ici. Ça devrait le faire. Bon, en même temps, il y en a sur les mines là, mais. Je pense qu'ils galèrent un petit peu. Ils m'ont fait évoluer ça avant d'ailleurs. Ouais, je vais cancel. J'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à aller les chercher, les livrer. Pourquoi ils sont bloqués là sur la tâche? Parce qu'on a ce qu'il faut, ils ont livré les isotopes, c'est juste que là, il n'y a personne qui construit. Normalement, ça se construit tout seul. On va upgrade ce bâtiment. Problème d'énergie, ouais, c'est ça. On va upgrade ça avant le stockage, c'est quand même plus intelligent. Ça serait cool qu'ils viennent me terminer ça quand même. Et je vais vous montrer parce que bon, ça sera le dernier épisode du coup. Ça sera le dernier épisode, je pense pas que ça sert à grand chose d'aller plus loin. Même si on pourrait, hein, je pourrais continuer. Au moins un épisode de plus. Je le ferai peut-être, on verra. Soit ça sera le dernier, vraiment, soit j'en ferai un sixième, si je me trompe pas, c'est le cinquième, celui-ci. J'en ferai peut-être un de plus pour voir une dernière attaque, voir les derniers niveaux de bâtiment. Donc là, on... Ouais, 32, excellent. Pas besoin de plus de gains. Donc ça, c'est top. Hop, on va le grade aussi. Je sais pas ce qui s'est passé sur les bâtiments, là. Donc on va les laisser comme ça. On a plus d'isotopes, je vais en prendre si je peux. Le jeu commence à laguer un peu là par contre. Hein. Ça va se voir sur la vidéo. Et ça, ouais, là ça se voit clairement. Ça c'est quand il y a une évolution d'un bâtiment ou un truc des fois. Bon, ça va être optimisé hein, bien sûr. C'est quand même la toute première version du jeu et on est blindé en thunes. Il y a moyen que le jeu crache là. Vous savez quoi? Je vais mettre en pause. Parce que quand je relance, ouais. Ouais, ça sert à rien. Je m'en pose, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc si c'est le dernier épisode, déjà je vous remercie d'avoir suivi ce mini let's play découverte sur Industries of Titan. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je trouve le jeu vraiment bon. Et pour une première version, c'est franchement quand même plutôt pas mal. Visuellement, ça va être la 10e fois que je le dis, mais le jeu est juste trop beau. Il va y avoir... énormément d'ajouts dans le jeu, de gestion, de micro-gestion, de bâtiments, de choses à faire. Le fait d'upgrade les bâtiments, de les connecter, etc. Je trouve ça super bien fait. Je regrette pas d'avoir attendu 2 ans et demi pour tester cette première version du jeu.
Il va rester. Je pense que je viendrai pas avant 6 mois sur le jeu, voire un an de toute façon, quand il sera sorti définitivement. À part s'il y a énormément de contenu ajouté d'ici peut-être, voilà, comme je disais, 3 ou 6 mois, on verra. Donc voilà, peut-être que je ferai un 6ème épisode, histoire de terminer tous les bâtiments, de voir une dernière attaque. Mais on aura tout vu, hein. Tous les bâtiments dispo, tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vraiment plutôt intéressant, donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le Let's Play, et je vous dis à très vite pour d'autres Let's Play. Salut à tous!